Shalom les femmes de foi, shalom, shalom, chez nous tout va bien. Jésus-Christ est Seigneur. Aujourd'hui, nous allons avoir la servante de Dieu, Lily Kachama, qui va faire une prière pour les femmes de foi. Parce que trop, c'est trop. L'Éternel doit se souvenir de moi. Dis tout va bien. Répète tout va bien. Oh, que l'œuvre de la croix soit déclarée dans ta vie. Suis jusqu'à la fin parce que moi je suis sûre et certaine que tu seras bénie dans le nom de Jésus. Écris tout va bien. Dis tout va bien et reçois ta faveur. Bonjour à toutes, femmes de foi. Bonjour à tous. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci pour ce moment que tu fais, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour ta servante, Maman Clauzel. Merci pour tout ce qu'elle nous apporte. Merci pour tout ce qu'elle fait pour nous. Merci pour les prières, Seigneur. Seigneur, on vient te remercier vraiment pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et merci de nous avoir permis, Seigneur, d'être entré en contact avec ta servante, la prophétesse Maman Clauzel. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour cette journée. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, car d'autres sont morts, Seigneur. Mais toi, tu nous as gardés aujourd'hui, Seigneur. C'est une grâce de ta part, Seigneur, d'avoir le souffle de vie. Merci, Seigneur. On vient te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et nous avons confiance, Seigneur, que tu fais des grandes choses pour nos vies. Et nous avons confiance, Seigneur, que tu as des bons plans, Seigneur, pour nous, pour toutes les femmes de foi, pour tous ceux qui espèrent en toi, pour tous ceux qui espèrent en ton nom, Seigneur Jésus. Merci pour tout, merci pour la grâce. Merci, Seigneur, parce que d'autres ne te connaissent pas, Seigneur, mais nous, nous avons la grâce, Seigneur, de connaître ton nom, de connaître ton nom qui est si grand. Oui, nous servons un grand Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grande grâce, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, nous te connaissons, Seigneur. D'autres ne te connaissent pas, Seigneur. Et nous, nous pouvons venir vers toi, on peut t'approcher, on peut venir vers le trône de grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur, au sacrifice de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Bogolta, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous soyons sauvés, Seigneur. Père de grâce, merci Seigneur pour tout ça, Seigneur. Seigneur, alors qu'on s'approche du trône de grâce, alors qu'on s'approche de toi, Seigneur, nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous sommes pécheurs, que nous avons péché contre toi d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons vraiment pardon de tous nos cœurs, Seigneur. Pour tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui n'a pas glorifié, Seigneur, ton nom, Seigneur. Que ce soit par la parole, par la pensée ou en acte, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Mais Seigneur Jésus, je t'en prie, puisses-tu venir nous laver, nous purifier de toute notre faute, Seigneur, alors que nous reconnaissons nos fautes, alors que nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons, d'une manière ou d'une autre, péché contre toi. Nous avons fait des choses, Seigneur, que nous regrettons aujourd'hui. Nous avons fait des choses qui nous font honte aujourd'hui. Nous avons fait des choses, Seigneur, qui ne s'alignent pas à ta volonté, Seigneur. Nous avons aussi fait des choses, Seigneur, qui ont bloqué nos vies, Seigneur, qui nous empêchent peut-être même encore aujourd'hui de rentrer dans ta pleine bénédiction, Seigneur. Seigneur, ces péchés aussi, nous te les remettons aujourd'hui à la croix. Et puisses-tu venir nous pardonner, Seigneur, ces péchés secrets, Seigneur, ces péchés dont on a même de la peine, Seigneur, à confesser à d'autres personnes, Seigneur. Mais Seigneur, toi, tu es juste et bon. Tu le dis dans ta parole, Seigneur, que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous pardonner. Non seulement tu nous pardonnes, Seigneur, mais tu nous laves, tu nous purifies, Seigneur. Ta parole, elle dit, Seigneur, que toi, quand tu pardonnes, Seigneur, tu oublies. Et tu dis aussi, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que ton pardon nous rend plus blancs que la neige, Seigneur. Tu es un Dieu saint, tu es un bon Dieu. Seigneur, nous venons t'adorer, Seigneur. On vient aussi te remercier, Seigneur, pour le programme de 7 jours. Merci ce programme de 7 jours à travers le ministère de Maman Clauzel, Seigneur. Nous te remercions pour ce programme, Seigneur, parce qu'à travers de ce programme, nous avons foi
que tu vas nous bénir, que tu vas nous bénir. Nous avons foi que tu vas ouvrir les ventres, Seigneur. Nous avons foi que beaucoup de femmes vont tester positif. Nous avons foi, Seigneur, en toi, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons de prendre vraiment le contrôle, Seigneur, pendant ces 7 jours de prière. Seigneur, mets en nous un esprit encouragé, Seigneur. S'il te plaît, là où il y a des femmes peut-être qui sont découragées, Seigneur, parfois aussi moi-même, il m'arrive d'être découragée. Seigneur Jésus-Christ, encourage-nous, Seigneur. Aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi. Aide-nous pendant ces 7 jours à être focalisés sur toi. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, car sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Relève-nous, Seigneur. Que pendant ces 7 jours de prière, Seigneur, on puisse, Seigneur, entendre ta voix, qu'on puisse se rapprocher de toi de manière spirituelle, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, avoir un toucher de ta part, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Les femmes de foi ont besoin de toi. On a besoin, Seigneur, de ton intervention, Seigneur. Seigneur, il n'y a que toi qui fais des miracles, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux rendre les choses impossibles possibles, Seigneur. Car tu es un grand Dieu. Car tu es l'unique Dieu, Seigneur. D'autres sont allés adorer des faux dieux, mais nous, Seigneur, nous connaissons le vrai Dieu. Nous connaissons le Dieu qui peut tout faire, Seigneur. Nous connaissons le Dieu de l'impossible, le Dieu qui dit et la chose s'accomplisse. Seigneur Jésus, prends pitié de toutes les femmes de foi. Tu connais nos demandes, tu connais nos requêtes, tu connais nos vies, Seigneur. Là où il y a eu du retard, Seigneur, je prie pour qu'il y ait une accélération. Là où il y a des blocages, Seigneur, je prie qu'il y ait vraiment des déblocages. Je prie pour les percées de toutes les femmes de foi. Je prie vraiment qu'il y ait une transition, qu'il y ait un changement et qu'on puisse vraiment témoigner de ta grandeur, Seigneur. Et que ce soit non pas pour notre gloire, Seigneur, mais pour ta gloire à toi seul, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, on te demande toujours de prendre le contrôle pendant ces 7 jours, Seigneur. Et Seigneur, tu es un Dieu qui surprend. Viens nous surprendre, Seigneur, pendant ces 7 jours. Viens manifester ta présence et ta puissance. Viens nous témoigner de ton amour, Seigneur. Tu es un Dieu de compassion, Seigneur. Tu as compassion de nous, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te demande de nous faire grâce, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, ta parole, elle dit, Seigneur, que ta miséricorde se renouvelle chaque jour. Merci pour cette miséricorde qui s'est renouvelée aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu nous regardes avec des yeux d'amour. Merci parce que tu prends pitié de nous, de notre situation, Seigneur. Merci parce que jamais tu te détournes de nous, Seigneur, et tu entends nos prières. Merci, Seigneur, pour cette grâce, Seigneur. Seigneur, vraiment, je te recommande toutes les femmes de foi, toutes nos prières, Seigneur, qui sont montées devant le trône de grâce, Seigneur, toutes ces prières, nous te les recommandons, Seigneur, et qu'elles soient vraiment couvertes du sang de Jésus-Christ, Seigneur. Entremets cette journée, entremets les prières qui vont être faites, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te supplie, Seigneur, de venir effacer nos larmes. Viens effacer nos larmes, Seigneur. Viens, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, Seigneur, viens, Seigneur. Viens nous remplir de ton Saint-Esprit, Seigneur. Je prie pour que les anges de l'Éternel viennent camper autour de nous qui sommes tes enfants, nous qui avons besoin de toi, que nous recevons la protection divine, ta protection, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ soit couvert dans nos maisons. Que le sang de Jésus-Christ soit une protection, une bouclier pour nous. Que ce sang parle, que le sang de Jésus-Christ parle alors que nous prions, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je viens te dire merci, Seigneur, vraiment pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, et tout ce que tu fais dans la vie des femmes de foi, tout ce que tu fais dans le ministère de Maman Clozel. Merci beaucoup, Seigneur. Merci pour cette grâce, Seigneur. Merci pour cette onction, Seigneur. Qui se passe dans le ministère de Maman Clozel. Nous te remercions vraiment de tout notre cœur, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que quand nous demandons, Seigneur, tu réponds, Seigneur. Comme dans ta parole, comme dans la Bible, dans Matthieu 7:7, tu le dis dans ta parole, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez
et l'on vous nourrira. Seigneur Jésus-Christ, alors qu'aujourd'hui nous cherchons, alors qu'aujourd'hui nous frappons à ta porte, Seigneur, nous avons la confiance, la confidence, Seigneur, que tu nous as déjà répondu. C'est pour ça, Seigneur, on vient te louer, te rendre grâce pour les portes qui s'ouvrent dans les jours prochains, dans les jours à venir. On vient te louer, te rendre grâce et te dire merci de tout notre cœur pour ces portes, Seigneur, qui ont été longtemps fermées et qui s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Dis Amen, Amen, Amen. Que l'Éternel, le Dieu des armées, vous bénisse grandement, parce que trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Je dois porter mon bébé, je dois porter mon témoignage. Like, commente, partage. Bénis une personne et que l'Éternel, mon Dieu, ouvre ton ciel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare béni by fire, by force. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.